tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Ici le coach Samuel Sawadogo. C'est un grand plaisir de vous retrouver encore ce matin. Alors, pour continuer nos différentes formations en ligne, pour ceux qui viennent s'abonner à notre chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue et merci d'être parmi nous. Ici, nous parlons tout simplement de la crypto-monnaie. On parle des finances, investissement, etc. Ok. Alors, ici, nous ne sommes pas des conseillers en investissement, en aucun cas. Donc, avant de faire quoi que ce soit, après toutes ces informations que vous aurez sur notre chaîne ici, prenez quand même le temps de faire vos petites recherches et puis investissez votre argent. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui quand même est très important. Voilà, tous les sujets sont importants, mais là, ce sujet-là, il est vraiment, vraiment important. Parce que si vous constatez, pour ceux qui sont dans les marchés de la crypto-monnaie aujourd'hui, vous pouvez constater que depuis quelques semaines, il y a vraiment une forte baisse des crypto-monnaies actuellement. Voilà, on a vu un Bitcoin qui était monté à 69 000 dollars, près de 70 000 dollars, qui aujourd'hui s'est cassé la gueule jusqu'à 20 000 dollars. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut faire, tout ça, qu'est-ce qui se passe concrètement? Voilà, alors je voudrais donner mon point de vue, mon avis sur ce qui est en train de se passer. Voilà, vous devez savoir qu'en termes de crypto-monnaies, il y a ce qu'on appelle le bull market, c'est-à-dire qu'au moment où les crypto-monnaies haussent de façon vertigineuse, et il y a ce qu'on appelle le bear market où les cryptos vont descendre de façon vertigineuse, qui vont perdre moins 10 fois, moins 20 fois, moins 50 fois. Voilà, ça dépend vraiment des crypto-monnaies, quoi. Voilà, donc je pense que nous sommes dans une phase de bear market parce que le Bitcoin a touché vraiment un niveau qui est vraiment essentiel, qui est vraiment sensible. Voilà, si vous vous rappelez, en 2017, le Bitcoin avait monté jusqu'à 20 000 dollars avant de redescendre au niveau de 3 000 dollars. Donc, on constate que le Bitcoin est descendu jusqu'à toucher son plus haut de 2017 qui était les 20 000 dollars. Donc, pour moi, si on dépasse les 20 000 dollars, on va continuer à descendre jusqu'à autour des 15 000, 10 000 dollars par là. Voilà, et là, je tiens à rassurer ceux qui ont leur portefeuille qui font moins fois 10, moins fois 20, moins fois 50. N'ayez pas peur, ça arrive, c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle le bear market. Et quand ça arrive, ne paniquez pas pour vendre. Quand vous vendez, vous allez perdre. Ok, ne paniquez pas, n'ayez pas peur. Lorsque cette phase-là va terminer, il y aura ce qu'on appelle un bull market et les crypto-monnaies vont rehausser. Donc, je vous en prie, ne vendez pas vos cryptos maintenant si vous n'avez pas de problème d'argent. Gardez-les parce qu'il y a une autre phase qui arrive qu'on appelle le bull market. Et dans cette phase-là, voilà, vous allez voir un Bitcoin qui va redécoller. Et comme vous le savez, vous le constatez dans les marchés, lorsque le Bitcoin va dans un sens, tous les altcoins, c'est-à-dire tous les autres crypto-monnaies suivent tout simplement. Ok, donc ne vendez pas vos crypto-monnaies, il faut les garder dans vos portefeuilles. Oubliez-les là-bas et patientez. Voilà, je peux prédire pour vous dire que si nous assistons à un bear market aujourd'hui en 2022, il faut compter l'année 2022, l'année 2023 pour assister vraiment à ce bear market là, à cette baisse là. La baisse peut durer jusqu'à 10 ans. Donc 2022-2023, il faut compter à partir de 2024 pour reprendre, aller à la hausse quoi, pour penser à un bull market. Tout ça, ce sont des prédictions, hein, ce n'est pas une confirmation, ce sont des prédictions que je suis en train de donner selon ce qui s'est passé dans le passé. Alors, je peux prédiquer, voilà. Alors, parlant de tout cela, je vais partir sur l'écran de mon téléphone ici. Voilà, pour vous donner trois crypto-monnaies dans ce bear market-là que vous pouvez investir de l'argent lorsque le bull market va reprendre, c'est-à-dire lorsque la hausse va reprendre. Ce sont des cryptos qui vont vous faire fois 10, fois 100, pourquoi pas fois 1000 même. Voilà, donc moi je vous donne ces trois crypto-monnaies-là. Faites vos analyses de vos côtés et puis investissez. Mais ce sont des crypto-monnaies que vraiment j'estime, que j'ai vraiment, que moi-même j'ai dans mon portefeuille. Donc je vous recommande ces crypto-monnaies-là en bear market ici. Donc tout de suite là maintenant, on se retrouve sur mon écran. Et voilà, on va aller sur le CoinMarketCap ici. On va dans le CoinMarketCap là. Donc ici, nous sommes dans le CoinMarketCap. Permettez que ça s'ouvre. On a un Bitcoin à 20 000 dollars, 21 000, 20 000. Bon, c'est ça, ça fluctue. Un Ethereum à 1099, waouh! 4500, 1099, c'est des belles opportunités. On a les BNB qui à 215 dollars. Donc, tous les marchés sont presque rouges. Solana ici qui vaut 30 dollars aujourd'hui, c'est très bon. Voilà. Alors, quelles sont les crypto-monnaies que moi je vais vous recommander? La première crypto-monnaie que je vais vous donner, c'est la crypto-monnaie Uni. Uni,
UNI, c'est la crypto-monnaie de l'échangeur décentralisé Uniswap. Donc, vous devez savoir, sur la crypto-monnaie, il y a des échangeurs centralisés et décentralisés. Centralisé, ça veut dire que c'est quelqu'un qui contrôle en fait, votre argent, il a créé la plateforme. Donc, mais décentralisé, vous êtes en contact direct avec la blockchain en fait. Donc, Uniswap, c'est un échangeur, c'est un DEX, c'est un échangeur décentralisé. Donc, qui a sa crypto-monnaie qui est le UNI. Ok, donc le UNI ici, il est à 3$ aujourd'hui, comme vous pouvez constater, 3-4$, voilà, vous pouvez le constater, 3,99$, donc 3-4$ aujourd'hui, c'est très bon à prendre, très bon à prendre. On a UNI qui était monté jusqu'à son dernier prix haut, était de 44$, et aujourd'hui, il s'est cassé la gueule jusqu'à 3-4$. Donc déjà, si vous payez à 4$, déjà, très rapidement ici, si vous le payez à 4$, donc 44 divisé par 4, ça vous fait déjà 11 fois. Donc rien qu'à répartir à son plus haut, ça vous fait déjà 11 fois. 11 fois votre investissement, ça fait 1100%. Donc déjà ça, sur ce côté, c'est déjà bon. Et encore, je tiens à préciser que Uniswap, c'est la plus, le plus grand échangeur décentralisé que les gens utilisent en fait pour échanger les crypto-monnaies. Donc, il n'y a rien à dire, sa crypto-monnaie peut s'envoler à tout moment. Okay? La deuxième crypto-monnaie que je vais vous demander d'acheter, c'est Atom, le Cosmos. Voilà, le Cosmos, il est à 6$ actuellement. Actuellement, il est dans le rouge et c'est très bon. C'est une crypto-monnaie très prometteuse. Il est à 6$ actuellement. Voilà, il est à 6$. Donc, il faut le prendre vraiment sans hésiter. Si vous avez les moyens, il faut les prendre maintenant. En bear market actuellement où les cryptos baissent fortement, à partir de ces prix-là, vous pouvez déjà commencer à acheter ces crypto-monnaies-là. C'est clair que ça va encore descendre légèrement, voilà, mais déjà à partir de ces prix-là, 6$ pour l'atom, vous pouvez déjà commencer à acheter, mettre 50$, 100$, 200$, 1000$, 10 000$, 100 000$, ça dépend tout simplement de votre poche et de votre portefeuille. Ok, voilà. Et la troisième crypto-monnaie, cela va être une petite, c'est Wink, les Winklink, voilà. Actuellement, il est à 0,003 × 0,1086$. Voilà, donc c'est une crypto-monnaie qu'il ne faut pas négliger. Ok, voilà, elle est listée dans des gros échangeurs tels que Binance. J'ai dit Binance en première position parce que c'est le plus gros échangeur de crypto-monnaies centralisé actuellement. Voilà, dans le monde de la crypto-monnaie. Donc, il est listé sur Binance, il est listé sur Yobi, il est listé sur KuCoin. Voilà, il est vraiment sur de gros échangeurs, quoi. Donc, le décollage des crypto-monnaies peut faire vraiment cette crypto-monnaie-là, 1 × 1000, 1 × 10 000 même. Voilà, donc, cherchez à prendre cette crypto-monnaie-là, allez-y sur les échangeurs centralisés ou décentralisés et achetez cette crypto-monnaie-là. Donc, voici les 3 crypto-monnaies que moi, j'ai sélectionnées pour vous donner, pour pouvoir acheter dans le bear market. Alors, si vous avez d'autres crypto-monnaies que vous pensez que ce sont des crypto-monnaies à acheter dans le bear market, alors n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires pour faire partager, pour aider toute la communauté, voilà, à pouvoir investir sur des crypto-monnaies qui vont réellement exploser dans ce bear market-là, dans ce marché baissier-là. Voilà, donc voici ce que je tenais à vous partager ce matin. Je pense qu'on va se retrouver dans une nouvelle vidéo, mais avant de partir, je vais vous demander tout simplement de vous abonner à la chaîne et à vous abonner à notre page Facebook pour ne pas manquer les prochaines vidéos parce que nous allons continuer à sortir et je tiens à vous annoncer que très bientôt vous aurez 100 business crypto. Retenez bien ceci, 100 business crypto très bientôt. Ça c'est un projet très lourd cryptographique qui va bientôt voir le jour et donc soyez juste prêts et n'oubliez pas d'aller dans la description. Nous avons 30 minutes de formation gratuite offerte. Il y a un lien, vous cliquez sur le lien. Voilà, on vous demande juste quelques petites informations, votre nom et votre mail et puis votre numéro et vous avez 30 minutes de formation gratuite en crypto-monnaie tout simplement. Donc allez-y dans la description et vous allez profiter de cela. Sur ce, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est moi qui vous remercie.